Salut les gens, c'est Slam. On se retrouve après notre petite intervention en Inde, dans le sud-ouest, plutôt dans le nord-ouest de l'Inde. Et on va continuer ici. On va essayer de prendre Yeren et un petit bout de Yanzhou maintenant. On se fiche un peu des coalitions qu'on a là. Par contre, on voudra faire sortir de la coalition tous les pays. C'est notamment les quatre petits pays qui sont autour là. Voilà, moins 71, 63. Là, on est à 58 aussi, il faudra le faire sortir. Et moins 50, Vijayanagara, on a juste à le maintenir un petit peu au-dessus et ça sera bon. On ne va pas y retourner avant un petit moment là-bas. On va y aller modestement, tout doucement. On a fait le premier pas, le plus dur. On va pas se mettre tout le monde à dos là-bas, vraiment pas, surtout pendant qu'on a tous ces gens-là à dos. Mais on va continuer ici à taper un petit peu. Alors, on va aller déposer du monde là-bas. Voilà, ici. On va aller là-haut. Puis là-haut. On va se mettre là. D'abord, on va se mettre là. Ça y est, t'es déjà là? Je vais rien donner. Alors, est-ce qu'on est prêt? Je dirais que oui. On a coché Donghai, mais pas Jiangsu. Je le vérifie en même temps parce que ça peut avoir changé entre le moment où j'ai regardé et maintenant. On va attendre des ennemis. Doucement. OK, d'ici. Alors, Jiangsu prendrait bien deux provinces comme ça. Ou trois. Est-ce que ça énerve la Corée? Ça énerve pas la Corée. On pourrait lui en prendre trois. Ce serait déjà pas mal. Ça commence à faire beaucoup ici, hein. On va passer comme ça. Ça, je vais les désactiver. On va aller travailler sur celui d'à côté. Là, il est en train de passer, c'est très bien.
7. Vijayanagara, on a bien avancé. Avec un peu de chance, on va pouvoir faire cette guerre sans bataille. Super. On surveille. Là, je vais attendre. Kurchin m'a insulté, je suis pas étonné. Là, faudra influencer ou payer un peu. Mauvais feng shui. La méritocratie se casse la figure. À perdre du mandat. C'est con, il y a le même event où au lieu de payer des sous, on gagne un stab. C'est un peu celui-ci que j'aurais préféré avoir. Mu Yangzhu. 89, tu veux pas? Est-ce que ça énerve la Corée? Ça énerve pas la Corée. Et à la place de ça, est-ce que tu me donnerais ça? Je préférerais largement. Voilà. On va se faire rétamer. Complètement rétamer. Quoi, tu m'en donnes même pas deux? Ici. Ensuite ici. Quatre-vingt-sept. Quoi, il y a un truc en cours. Voilà, t'as fini de me battre. Et pendant ce temps-là, et ben moi je t'ai battu. C'était un piège. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Bon, il y a Warats dans le tas hein, maintenant. Hein. Mais il n'empêche que. On est bien mieux mis. Il va falloir qu'on travaille. Ok. Ouch, toujours pas assez.
Alors, un marchand attend de recevoir une mission. Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Alors, à Hangzhou, je dois avoir quelqu'un, ouais, à Canton aussi, mais pas à Xian. Hangzhou. Xian. Très bien. On va essayer de récupérer un petit peu. Alors, c'est toi. 14-4, tu vas aller où? 12, 14, 15, 13. 12, 13, 15 ici. C'est limite, hein. Oh, 12, 2, ça va en bas, ça. En parlant de ça. 10, 4. Un qui va là. Quatre, 16, 23. Voilà. Ok, ici. Ok. Là. On va faire ça. Alors on en est où à Pékin? Ok, Yangzhou. Hey, Yangzhou, on a fini! Ah! Alors non. Arrêtez ça, arrêtez ça, supprimez ça, et on va aller chercher ce qu'il faut pour finir ici. Yangzhou, on est à 0,33, on va aller chercher ce qu'il faut pour monter à 0,50. Ça va nous faire le plus grand bien, d'autant plus que là, bon, on est à 78, je pense sincèrement que je pourrais lancer. Les familles d'Armic. Ah, on n'a pas assez de développement. C'est bien ce qui me semblait. Il faudrait monter à 20. Des... Comme pour la culture. C'est pas méchant. Ça va se faire tout seul. Accroissement de tenue religieuse 1. Tolérance envers la vraie foi plus 1. C'est pas mal. Agitation dans le pays.
moins 0,5, c'est pas mal. Productivité plus 5%, coût des conseillers moins 5. Les païens, c'est ce que j'ai de mieux à faire pour l'instant. C'est parti. À partir de maintenant, on perd 1,42 par an. Mais on va tout faire pour remonter de 0,17 déjà et de perdre que 1,25 par an. Et on va avoir des événements. Beaucoup d'événements. On va chercher nos 2500. Ça sera long et douloureux. Et ben voilà, 5-6-2. La coalition. Alors, qu'est-ce que ça donne? Personne. Bon bah. Ok. On va chercher nos 2500, on va remonter notre manpower. On doit être à moins 20 000. Non, moins 10 000 seulement, ben c'est pas mal, on s'en sort bien. Alors, ça déclenche la guerre avec les Zénous aussi. Les Zénous, je me sens prêt à débarquer, moi. J'ai une bonne flotte. Ça me fait pas super peur. Et en plus, ça attire personne. Je les vassaliserais bien, moi. Tout en prenant les Nivkes. Encore un de moins dans la Koa. Là, il y a tout le monde dans la Koa. Là, il y a Warats et Woodily. Et là, il n'y a personne, il est tout seul. On va essayer de faire rompre des alliances là. La Corée acceptera peut-être de rompre une alliance. Alors. Eux, ils veulent pas. Mais Jianzhou, il s'est retrouvé isolé. Voilà, là on est bien. On peut attaquer Nivkes et Hainu d'un côté. On peut vassaliser ou prendre Donghai d'un autre côté. Et si on attaque Jianzhou, ça entraîne Yu Dile. On pourra lui faire rompre sa. On n'est pas obligé de. On pourra soit le manger. Et on s'en fichera, soit lui faire rompre et finir Jianzhou. On pourra finir ces trois-là, et probablement la moitié d'Oudilé. Si on lui fait rompre son alliance, c'est encore mieux.
et même Aïnou. Et on commencera à bien bien s'être installé là-bas, et puis assez proprement en fait, hein. Quand même. Pour l'instant, il faut faire des sous. Il est pur d'entraînement, le tribut de Utaya. Du prestige. On est à la quête de prestige. Les Japonais, ils sont tout le temps excités. On en est où là? On pourra en avoir plus. Alors. Ici, d'abord, on va commencer par ça. Puis ça. Puis on va le remettre. Comme ça, notre mercantilisme, il a dû prendre presque 10 points. Très bien. Et on est pile poil à 2500. 5000! Ça me choque pas. Mais ça me fait de la peine. Mille, 2500 et 5000, j'avoue, ça fait de la peine. Du coup, je vais pas pouvoir le lancer tout de suite. On va devoir patienter, hein. On pourrait faire celui-là du coup, pour passer de 0,25 à 0,33 et l'autonomie minimale dans les possessions, c'est encore meilleur. Go! Et on va se refaire un petit peu de manpower. Pour l'instant, on n'est pas terrible. On va relutter contre la corruption à nouveau. Renfort 10, donc faut que je baisse de 25 ici. Voilà. Oh non! Prends-toi ça dans la figure. On va aller rembourser les emprunts. On va quand même se méfier de ce qui pourrait popper ici. Div et Girna Div. Je crois que c'est en Inde. Ouais, c'est ça, bah là j'ai pas peur. Excellent. On doit continuer ici. Shankyu. Encore moins. Quatre-vingt-dix à Yangzhou. Là, on laisse monter.
Bah alors. Ça le fait presque plus. Un conseiller d'influence. Perte du prestige. Autant pour mon truc. Ah bah non, c'est rien à voir. Bête Gonzou 65 alors. C'est quoi la bête Gonzou? C'est Canton. Même pas moi qui possède ça. Alors ici. On ça pop ou pas? Parce que j'ai pas que ça à faire. Ah, ça, cet événement, je l'aime bien. De toute façon, on peut pas valider un truc tant qu'on n'est pas ici au moins 0,16, un truc comme ça. Pour cela, eh ben, il nous faut quelques tributaires, augmenter notre cité interdite et surtout atteindre les 3 de stabilité. Donc un moins 5 Banda qui me fait gagner 1 de stabilité, ben, je prends volontiers. Voilà. Alors on va se préparer à la guerre. Les Zénous, ou du moins ce qu'il en reste. On va revenir à l'équilibre d'abord, puis on va rembourser notre emprunt, puis on attaquera. Donc 44, il nous manque 100 points, on aura des influences, des subsides, tout ça à faire. Subsides, ça serait pas mal que j'aille le faire maintenant. Ça se bat. Bon, là, on va baisser. La maintenance de l'armée, on va rembourser l'emprunt. Puis on remontera la lutte contre la corruption. Puis on ira chercher les 2500 de la cité interdite. Comment ça se passe ici? On n'a toujours pas eu le premier event. En janvier 97, c'est 30 ans normalement. Hein. Oui, c'est un peu tôt pour avoir le premier event.
770. Morale terrestre. Partisans au trône. Ils vont prendre le pouvoir. C'est clair et net. 770, c'est maintenant. Et on peut attaquer les Dalviettes en plus. Bon, on va d'abord faire Nivquet. Eh, attends, attends, attends. Là, est-ce qu'on a des renforts? 8-24, ouais, c'est un peu léger, hein, contre la corruption. Préférer rester à 25. On va verser les subsides. Pendant 400 ans. Le petit subside possible ou presque. Voilà, 0,52. Dans 3 ans, il sera au max. Ça sera parfait. À mon avis, je pourrais déjà l'annexer. Je vais libérer. Mon bonhomme. Passer le 1er janvier. Toucher mon fric. Et je suis prêt à avancer ici. Shankui. Ah, on peut pas tout de suite. Dès qu'on aura atteint 9 ici, on pourra commencer à faire monter l'autre. Voilà, 55. Prochain mois, on prend celui-là. Et après, on met tous les points là-dedans pour faire péter la Renaissance chez nous. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On a bien avancé ici. On a pris le petit passage ici. On a pris ça. Et on a relancé ici. Mine de rien, c'est hyper important. Les travaux, je les vois pas en cours par contre. Voilà. On a relancé ça. Et c'est pas mal parce qu'on va passer de 0,25 d'harmonie à 0,33, donc c'est toujours un petit bonus, mais surtout l'autonomie minimale dans les possessions, c'est tellement bon ça. Tellement bon ce moins 10 cumulé aux 5 que je peux gagner ici. J'ai hâte d'aller trouver d'autres merveilles ou de grands ouvrages qui vont nous être très utiles, notamment. Il y en a un ici, puis il y en a deux au Pégou et à Utaya. Bah, qu'on est en train de. Qu'on va pas tarder, hein. On va pas tarder à attaquer Dalviette, puis après on va attaquer Velikmers, puis à Utaya Pégou. On va remonter, puis on va descendre vers là, lentement, mais sûrement. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. À tout de suite pour la suite.